Quand le rideau se ferme, toutes les scènes de théâtre de la Terre, tous les publics de ces théâtres ressentent une certaine frustration. Ils se demandent ce qui se passe derrière le rideau après la représentation et leur esprit imagine beaucoup de choses. C'est un peu la même chose quand les yeux se ferment, que l'âme entre dans les coulisses de l'au-delà pour vivre autre chose. Et moi, je vous dis que le chanteur continue de chanter, que le peintre continue de peindre, que le comédien continue de jouer, que le poète continue d'écrire. Tous les artistes de l'au-delà prolongent leur création, prolongent leurs désirs, prolongent leur métier. Car là où ils sont, après la fin du corps, après leur mort, c'est un autre acte, c'est l'acte principal peut-être, celui où nous nous retrouvons tous. L'art est une haute expression de l'esprit, un message pour l'humanité, la traduction directe de l'expression spirituelle. L'art est aussi une télépathie provenant d'un esprit et captée par un public qui doit s'en nourrir, comme l'on reçoit les fluides invisibles de l'au-delà. Le spiritisme, c'est aussi cela. Vérité universelle de l'art, vérité universelle de la musique, de la sculpture, de la littérature, de la poésie, vérité universelle de la peinture, merveilleuse transcendance, que la transcendance de l'artiste, communication singulière, oui, partout, en toutes circonstances. Autour de vous, clamez la vérité, criez la vérité. Les artistes ne sont pas morts et continuent d'aimer les hommes en se manifestant à eux par l'intermédiaire des médiums. Si l'émotion n'existait pas, l'âme n'existerait pas, l'esprit n'existerait pas, Dieu n'existera pas. Ces mêmes esprits artistes, et vous le savez, sont désireux de partager avec les hommes leur survivance artistique sous toutes les formes,